savait pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le lengue na yo, ne le lengue au Saint-Esprit a ko évré na kati na yo. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ma tête? Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit en a besoin avant na kati na yo. Mais Saint-Esprit peut au moins nous la guérir. Ndenge Élisée a eu ça qui moi sur la kené pour le bidon. Sokolo ki babidon. Soki mwasi wana yaki na batono ya mune. Babiti tono ne kosani. E rotonda. Nde mafute kokata. Soki ayepe na mususu atele muke. Atye na yo muke. Donc ezalaki na bafasi ya ndenge na ndenge. Oyo mwasi wana. Abanaki koya ko se presente. Po atye mafuta na ye. Vaso o ezalaki munene. Ezwa ki pe porso ya. Ebele. Vaso ezalaki muke. Ezwa ki pe porso ya. Ya muke. Voilà comment le Saint-Esprit a ça coopéré à partir de la disponibilité à mon terme. Donc, on a ça coopéré, ça espace mon aimé dans la vie. Pour le Saint-Esprit, à contempler l'espace à mon aimé, mais à coopérer dans la dimension de mon sou. Mais ce qui peut ça coopérer, ça espace à mon aimé, et ça, oui, oh yo yo, on a depuis le temps de Yaba prophète, Tinata et Jésus, Tinata et Paul. Tinata ya ba Pierre, tinata na biso, na lingina ya bisayo, kwezanga le royaume de ciel forcé mena kwe bisayo ke la délivrance et la guérison eza mutuye moko ya koluka yango. Ce n'est plus question de Jésus. La Bible dit, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Et ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Ah bon, dimension ya foi na yo, et dans la dimension ya eloko yo kozwa. Amen. Dimension y a vie chrétienne na yo et gars y a eloko yo ko ki ko zo na kati ya vie na yo. Amen. That's why I'm saying to tout bien.